Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, a conduit une mission hier mercredi 1er juin 2016 qui s'est rendue au poste frontalier de Ntangom dans le Sahel, un village situé à 5 km du Mali et à 18 km du Niger. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2016, une attaque qui a été perpétrée et a causé la mort de 3 policiers. Que s'est-il passé exactement? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Madame Giro Nelugé Muniratu. Bonjour à vous, Madame. Bonjour, Tatiana. Alors, il faut dire qu'il y a également des attaques qui se poursuivent. Déjà, quels sont vos sentiments? Pour cette attaque-là, qu'on a encore engrangé, c'est vraiment un événement malheureux, c'est encore quelque chose de malheureux qui arrive. D'autant c'est déplorable aussi à partir du moment où c'est encore des hommes qu'on a perdus dans cette attaque. Ce sont des êtres humains, ce sont des frères, des amis, des connaissances qui font partie de la famille de certaines personnes, de certains Burkinabés. Et en gros, c'est quelque chose qui est inhumain et ils ne méritent pas ce qu'ils ont subi. Le ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, a eu à le dire de retour de sa visite sur les lieux du drame. Il a dit que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé le sang, ils ont trouvé des morceaux de corps sur place. C'est un peu pour expliquer la cruauté même dans laquelle ces événements se sont déroulés et même les corps qu'ils sont allés retrouver au niveau de la morgue. C'était dans un état vraiment déplorable, qu'il était difficile de supporter et autres. C'est vraiment, c'est cruel ce qu'ils ont subi et c'est intolérable même à la longue. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer la sensibilité de cette zone qui est Ntango? Cette zone, elle est vraiment sensible parce que à partir même de l'emplacement de la zone, on sait que c'est situé dans une zone frontalière. Ntangom est situé à 35 km de Tinakoff. Tinakoff qui a déjà essuyé des attaques et des autorités même s'étaient déplacées là-bas. Et c'est aussi un village qui est situé à 5 km de la frontière du Mali et à 18 km de la frontière du Niger. Donc c'est une zone qui est située un peu dans une zone triangulaire. C'est entre la frontière du Mali, frontière du Niger, frontière du Burkina. Donc ça se trouve entre les trois pays. Et c'est ce qui fait même que cette zone est beaucoup plus sensible du moment où ces deux autres pays qu'on avait cités, le Mali et le Niger, ont fait l'objet de certaines attaques terroristes. Donc la zone nord même du Burkina est vraiment dangereuse. Alors il faut dire que c'est des commissariats ces temps-ci. D'abord Tinakoff, ensuite il y a le 18 mai dernier, Koutoukou, également le commissariat central. Pourquoi les commissariats, quand on sait que généralement qui parle d'attaques terroristes, parlent plus des endroits où il y a des blancs entre griffes? Bien sûr, mais tout le monde sait aussi que les commissariats, les postes de police et autres, en gros, les différentes bases de sécurité, c'est un peu notre point sensible aussi. C'est même le point sensible de tout un pays, hein, parce que c'est eux qui nous défendent. Donc on sait que quand on les attaque déjà, ils touchent un point sensible de la population. Les personnes même qui sont censées les défendre, et c'est eux d'abord qu'on attaque. Donc ça, c'est vraiment, c'est évident même quoi. Mm-hmm. Alors est-ce qu'il y a une piste probable des assaillants? Oui, il y a une piste qui n'est pas tout à fait certaine parce que quand le ministre est revenu de sa mission, on a les images déjà. Quand il est revenu, il a eu à dire que À quelques lieux hein, de l'attaque, on a vu des motos qui étaient abandonnées. On a vu 5 motos. On n'a pas vu des motos abandonnées. On a vu des traces de motos. Et selon les estimations, ces traces de motos-là, on estime qu'il y avait environ 5 motos. Et quand on se dit que pour 5 motos, et si on estime qu'une moto prend environ 2 personnes, on estime que les personnes qui ont utilisé ces motos, leur nombre variait de 5 à 10 personnes. Donc, ils ont dû abandonner leur moto au niveau de ce cours d'eau à quelques lieux de l'attaque. Et ils ont progressé un peu à pied pour aller attaquer les policiers là-bas. Et ils sont revenus, ils ont pris leur moto et ils sont partis. Donc, pour l'instant, c'est des suppositions, des estimations. Et on attend un peu de voir la suite de l'enquête. Alors, je parlais tantôt des différentes attaques qu'on a subies. Comment se fait-il qu'après toutes ces attaques-là, le Burkina ne soit pas toujours doté d'assez de moyens et d'hommes suffisants pour contrecarrer ces attaques et menaces? Oui.
On suit souvent les commentaires des Burkinabés et autres qui réclament un peu plus de sécurité quand ils disent que les forces de l'ordre, ils sont un peu trop latentes, donc ils ne bougent pas trop. On voit ces commentaires, on peut les comprendre. Mais à cette accusation-là, Simon Kamparé avait dit que ce n'est pas seulement une question de moyens, ce n'est pas une question d'hommes, parce qu'il a fait allusion au cas de la France, il a parlé de la Belgique, en disant que ces pays aussi avaient subi des attaques. Ces pays, ils ont les moyens, ils ont suffisamment d'hommes, ils ont suffisamment de moyens, de matériel et autres, mais ils font l'objet d'attaques. Donc c'est pour dire que ça ne se résume pas aux moyens. Ça ne se résume pas aux moyens. Donc, mais il ne faut pas, ce n'est pas non plus une raison hein, pour écarter l'insuffisance de matériel, l'insuffisance en ressources humaines, parce que c'est une réalité que le Burkina vit. Pour le cas de la gendarmerie, par exemple, on sait que au niveau de la population, on a besoin d'un gendarme pour 400 habitants, alors qu'au niveau du Burkina, ce n'est pas respecté. On n'est pas encore arrivé à ce nombre-là, parce que le besoin, il n'est pas encore comblé. Actuellement, on est à un gendarme pour 1800 habitants, alors qu'on veut un gendarme pour 400 habitants. C'est le besoin actuel. Donc, c'est de voir un peu l'écart qu'on a en termes de disponibilité d'hommes. Il y a aussi le déficit en matériel roulant. Il y a les éléments qui sont nécessaires à la projection même de ces troupes qui déjà sont insuffisants. Il y a le matériel. On a aussi le problème d'infrastructure. Il y a la vétusté des infrastructures, il y a le nombre insuffisant, il y a l'état, le mauvais état de ces infrastructures-là. On sait que pour certains postes ou certaines brigades même, il y en a qui n'ont pas de clôture. Alors que ça, c'est la moindre des choses. On arrive dans une brigade, il n'y a pas de clôture. Il y en a qui n'ont pas de clôture et quand il y a des clôtures aussi, ce n'est pas bien fait, ce n'est pas dans les conditions adéquates. Tout ça, ça expose ces personnes qui sont censées même assurer notre sécurité. Il y a aussi le fait que certains lieux, certains postes de police ou certaines brigades de gendarmerie qui sont éloignés un peu des zones d'habitation. Il y en a qui sont éloignés des communes, de la population et autres. De prime abord, on peut dire non, c'est pour un peu se tenir à l'écart de la population pour pouvoir mieux les protéger, étant donné que souvent il y a des supposés, des personnes, des présumés brigands et autres qu'on garde à vue et autres. Mais ce n'est pas une raison parce que le temps que eux ils soient l'objet d'attaque là, le temps que la population s'en rende compte, il est trop tard. Et c'est ce qui est arrivé pour le cas de Intagong. On a même le cas de Tanguin Dassouri, où c'est vraiment à l'écart de la population. Ce sont des cas comme ça qu'on retrouve. Et donc, il y a aussi le fait que le nombre de gardes, le nombre des agents de garde est peu, à mon avis, parce que ça peut varier de 1 à 3 personnes hein, qui assurent la garde. Donc pour un lieu un peu dangereux où on se retrouve avec 3 personnes même c'est déjà beaucoup avec ce qu'on vit, mais souvent c'est 1 personne et des fois c'est 2. Et le plus chanceux des cas, c'est quand il y a 3 personnes. Tout ça, ce n'est pas suffisant pour assurer la garde parce qu'il y a nous disposons des moyens que nous avons, mais il y a nos ennemis aussi qui, eux, ils tiennent compte des faiblesses que la population a, que les agents de sécurité ont, pour mieux attaquer. Donc tout ça constitue des faiblesses. Mais depuis le temps aussi, on avait enregistré peu d'attaques. Hein. On n'avait pas enregistré d'attaques comme ça, des attaques terroristes au niveau du Burkina. Parce qu'on avait tendance à se dire à chaque fois que ça n'arrivait qu'aux autres, c'était toujours les autres pays qui étaient touchés par le terrorisme et autres. Jusqu'à ce qu'on voit le cas du Burkina, on a commencé à voir dans nos différentes bases, les postes de police, les postes de gendarmerie. Il y a eu l'attaque du 15 janvier à Ouagadougou, sur Kwame Nkrumah, et un peu partout aussi au niveau du Burkina. Donc cela a éveillé la conscience. Ce n'est pas que les gens dormaient trop, mais au moins on a pu vivre ça réellement. On s'est dit, ça peut arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais il se trouve que depuis lors, c'est un peu trop calme. En tout cas, de ce que la population dit, ils trouvent que c'est un peu trop calme. Ils ont fait la comparaison avec le Mali ou la Côte d'Ivoire qui ont aussi subi des attaques terroristes, où on a pu voir un peu où on a vu les résultats, on a vu les enquêtes avancées, il y avait des communications et autres. Donc là-bas, ils se disent que ça bouge plus qu'au niveau du Burkina. Mais il faudrait savoir aussi que ce n'est pas parce qu'au niveau du Burkina, on ne communique pas que ça n'avance pas. La preuve même déjà est qu'on a vu
que rien que mardi dernier, si je ne me trompe, il y a eu des arrestations qu'on dit être liées un peu au cas du 15 janvier, à l'attaque terroriste du 15 janvier. C'est pour dire que même si il y a un peu le silence, nos forces de défense, de sécurité, les autorités aussi, ils font ce qu'ils peuvent. Mais il faut tenir compte de certaines réalités quand même. D'accord. Et que Voilà. dit des dispositions prises? Oui, pour ce qui est de l'attaque de Intangom, déjà, ils ont dit qu'il y a l'effectif même qui a été renforcé. Il y a eu un renforcement d'effectifs. Il y a eu aussi des gendarmes. Il y a des gendarmes, il y a des policiers aussi dans les brigades et les postes de police ou les commissariats. On va essayer de renforcer un peu la sécurité à ce niveau. Et il y a eu une équipe de gendarmes et de policiers aussi qui sont venus de Tinakoff, qui sont partis là-bas pour renforcer le personnel à ce niveau. Mais il se trouve qu'il ne faut pas chaque fois attendre qu'il y ait attaque avant de courir pour renforcer le personnel. On sait tous que on est en déficit, on est en manque de ressources humaines, mais on sait aussi quelles sont les zones sensibles. Ça peut tomber n'importe où. Il y a les attaques, ça peut tomber n'importe où. On peut cibler n'importe quel point, mais il y a des coins où il ne faut pas jouer avec. On a nos frontières. On a une très grande distance de frontières qu'on partage avec les autres pays. On partage avec le Burkina, le Mali, qu'on partage plutôt avec le Mali, le Niger et aussi une partie de la Côte d'Ivoire. On sait aussi que ces pays sont touchés par le terrorisme. Donc la moindre des choses, c'est de renforcer la sécurité à ce niveau et de ne pas du tout baisser la garde, même quand on est à un moment un peu plus calme. Il ne faut jamais baisser la garde parce que c'est au moment où on sent que c'est un peu plus calme que l'attaque surgit encore. D'accord, merci à vous, Madame Kiro, d'être passée sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, c'était l'édito du jour. Il était question d'une lecture, de l'analyse, d'une lecture, pardon, de l'attaque qui est survenue à Intangom et a causé la mort de trois policiers. Édito que vous pourrez suivre à nouveau sur notre page Facebook, burkinainfo.tv.